Bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, est-ce que vous vous souvenez du jeu d'horreur qui s'appelait Sonic.exe ou Sonic.exe? C'était un jeu d'horreur tiré d'une creepypasta, de la creepypasta de Sonic.exe. C'était un des vieux Sonic qui a été hacké et dans lequel il se passait des trucs comme si le jeu était hanté, comme s'il y avait quelqu'un qui essayait de nous manipuler, tout ça. On l'a testé dans une dernière vidéo et il faut savoir que cette histoire, ce jeu, enfin surtout la creepypasta, et l'une des 5 plus connues des creepypasta dans le monde. Donc du coup, le jeu, je parle pas de l'histoire, le jeu a été parodié plusieurs fois, et j'ai téléchargé deux jeux qui l'ont parodié, que vous m'aviez conseillé en commentaire de vidéo YouTube ou par privé sur Facebook, et nous allons les tester tout de suite. C'est parti. Bien, bon, pour commencer, on se retrouve sur Sunky the Game, c'est Sunky.mpeg, un truc comme ça. Du coup, il faut vraiment bien se mettre dans l'esprit que ça parodie totalement le premier jeu. Donc si vous vous en rappelez pas trop, je vous invite à aller revoir cette vidéo, et ensuite, là, vous comprendrez mieux ce qui va se passer. Donc là, le début, on voit que l'image d'accueil des jeux Sonic a été recopiée en version dessin comme ça, où il y a un Sonic totalement stupide qui fait et je ne sais pas pourquoi il fait ça, il n'y a pas de raison. C'est parti, on presse entrée et il y a eu le petit flash rouge, mais je l'ai pas bien vu. D'accord. Ouh, je vais me faire défoncer par les strikes YouTube pour... Ah, mais il faut pas jouer à la souris. Attends, si, ça bug, il va y avoir un bruit, c'est ça. C'est totalement con. Par contre, pour la musique, je sais pas trop ce qui va se passer, si je vais avoir des problèmes sur le truc. Ok, souvenez-vous, le premier niveau, ça se joue avec Tail. Waouh, il n'y a pas de bouton pour courir. Il est très très lent. Hé, c'est ça, c'est saut. Il peut faire que ça pour sauter. Ok, d'accord. Du coup, il y a une musique dont je n'ai pas les droits dessus en arrière-plan, donc je vais la changer et je mettrai une musique, je sais pas, une autre musique à la place. Ok, d'accord, donc on est dans un monde avec des fleurs, il y a des cubes derrière qui ont des têtes de smiley connues. Waouh. Et là, il y a un chien décédé. Et ah ouais, là, il y a un pigeon décédé. Donc c'est là que le monde commence à devenir un peu crépi, ça part un peu en cacahuète. Encore un chien, encore un pigeon. C'est un peu dégueu, waouh. Mais sinon, le jeu est bien... Je suis mort, I am dead. Il tient la pomme de carte et il fait un truc comme ça. Ouais, le jeu est bien... Il est joli, hein, visuellement, il est joli. Les dessins sont bien réussis. Et c'est très très long. Et si je me souviens bien, là, on devrait pas tarder à tomber sur un Sonic. Soit il nous poursuit... Ah non, il est là. D'accord, cinématique, je ne peux plus bouger. Je ne peux plus bouger. Ah, ça joue tout seul. Il va essayer de le toucher. Ah, on a vu ces petits yeux rouges, là, qui essayent de... Enfin, Gotzagofist. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis désolé. Ok. Qu'est-ce qui se passe après? On joue avec Tail. On joue avec le Knuckle. Ah non, c'est vrai, on est dans un monde où il y a du feu maintenant. Et après, on va se faire poursuivre par Sonic. Ils ont vraiment tout recopié, mais ils l'ont rendu beaucoup plus stupide et beaucoup plus gentil. Ah, il est là, voilà, on se fait poursuivre. Ce face-palme sur le sol. Il pleure et là normalement il y a Sonic qui va arriver et qui va le faire saigner. Oh, ils ont été sympas. Ils ont enlevé tout le côté gore du jeu. Oh yeah, c'est arrivé. Ok, c'est bon, on va jouer avec Knuckle. Et vous voyez, normalement là il y a une image de Tail qui est mort et là il est content avec un chapeau d'anniversaire. En fait, ils ont pas rendu le jeu mais ils l'ont rendu très très gentil et très joyeux. Ce qui n'a pas de sens finalement, mais c'est cool. Moi je trouve ça sympa, les dessins sont très jolis. Ok, on joue avec Knuckle. Alors je me rappelle que quand j'étais allé tout à gauche la dernière fois, ça avait fait un bug du jeu. No that wrong. Ok, d'accord. Donc même ça, ils l'ont anticipé. Ouais, la dernière fois, ça avait fait un gros bug dans le jeu et apparemment, ils ont pas voulu le remettre. Ok, d'accord. C'est Knuckle qui court, il sait pas courir. Il court comment? Regardez-le. Il met ses pieds comme ça, c'est stupide. Et là, il y a les flashs bizarres et Sonic va pas tarder à apparaître. Les nuages poupi. C'est des nuages caca, poup. Ah. What? A ghost? Oh mon dieu, un fantôme. Ah oui, ça c'est le fameux passage où il faut essayer d'attraper Sonic quand il est en fantôme. Et les bruits derrière, on dirait les voix de Bob l'éponge et de Patrick en version anglaise. Je vous laisse écouter. C'est ça, j'ai reconnu le rire de Bob. Qu'a il fait? C'est stupide, qu'est-ce qu'il fait?
ce jeu est trop mignon en fait. Ok, donc normalement maintenant on va jouer avec le docteur Robotnik. C'est parti, dernier niveau, le sanctuaire. Ouh, ça a l'air moins rigolo là. Donc comme dans le jeu, il va descendre 3 escaliers si je me souviens bien. Sauf que c'est dommage, on peut pas le faire courir, je me souviens, il pouvait courir un peu comme Naruto, c'était assez laid finalement. Et on peut pas le refaire là. Par contre ça s'assombrit de plus en plus. Je me souviens pas qu'il y avait ça dans le jeu la dernière fois. Je vois plus rien, je continue à aller vers la droite mais je vois plus rien. La musique s'arrête. Oh, ça c'est nouveau par contre. Il tombe. Il tombe dans le décès, il tombe dans le coma. Ouais, c'est fini. Je comprends pas, c'est un générique de fin là qu'ils sont en train de nous faire. Ah. Ah, les grésillements. Est-ce qu'on va avoir droit à un screamer final comme dans le jeu? Il y avait écrit I am God. Oui, voilà, exactement, avec une grosse tête de Sonic en gros plan. Et au-dessus de sa tête, il y avait écrit I am God. Je sais pas si je clique, ça va faire un truc. Je suis occasionnellement 5. Ok. Je m'attends... You finally the rider. Ok, d'accord. Et est-ce que le jeu se termine là-dessus? Ah merde! Oulala, non, j'aime pas quand ça fait ça. Il s'est fermé tout seul. Le jeu s'est fermé tout seul, il y a eu un gros flash tout noir. Ouh, j'aime pas ça. Ok, d'accord, mais c'était Sunky.mpeg. C'était plutôt cool, c'était plutôt sympathique. Il était très bien dessiné, il était assez joyeux. J'ai reconnu pas mal de choses qu'on avait fait dans l'ancien jeu, parce que je me suis re-regardé la vidéo avant de tester ces jeux-là. Et maintenant, on va s'attaquer à Sanic.exe. J'ai pas dit Sonic, j'ai dit Sanic, avec un A. Et c'est parti. Alors vous l'avez sûrement pas vu à la caméra, mais je me suis bousillé les oreilles, ça m'a ouvert le jeu d'un coup. Et ça a mis le son mais tellement fort, tellement puissant, et en plus le jeu est pas cadré, je comprends pas. Bon là il y a Sonic the Hedgehog, et là il y a un vieux dessin de Sonic mal fait. C'est assez connu sur les sites américains, le Sonic qui est parodié avec, je sais pas, dans cette position là, comme ça. Enfin je mettrai une image à côté, et du coup je sais pas quoi faire là en fait. Ah mais d'accord, je suis un paquet de Whiskas qui se déplace. Je suis même plus... Mais je vais tomber dans le vide là ou... D'accord, j'ai appuyé sur entrée, ok. Je sais pas ce qui se passe. Ça y est, je contrôle Tile, comme la première fois. Ok, d'accord, donc ils t'ont mis un texte en anglais, mais en anglais genre en kikoulol. Please, de ouais, bon, on s'en fout. Et on va voir ce qui se passe, donc du coup... D'accord, ça a été très rapide là par contre. Là, il y a une fenêtre de dialogue, mais je sais que Fraps ne les enregistre pas. Il y a écrit, Tile se dit, Sonic, qu'est-ce que tu fais? J'appuie sur OK. Et Sonic, il répond 3 points de suspension. D'accord. Niveau suivant, où on va se faire attraper par Sonic... Bon, on va se laisser faire. Tail qui dit Sonic, qu'est-ce que tu fais? Et Sonic nous répond encore une fois 3 points de suspension. Et Tail c'est mort, il y a cette musique complètement déchirante dans les oreilles qui nous nique. Et on va aller dans le monde de Knuckle. Ils l'ont déguisé en Bob Marley avec un... Ouais, d'accord, et ils te mettent la musique de Snoop Dogg en arrière-plan et... Ok, ils font passer Knuckle pour un fumeur de marijuana. Knuckle qui dit Sonic tu crains. Et Sonic qui répond 3 points de suspension. Et il va se faire attraper lui aussi, donc on se laisse attraper. Sonic tu crains, 3 points de suspension. Putain c'est chiant. Ok donc Hale est mort, Tile est mort, Knuckle est mort, maintenant on va faire. Oh putain Robotnik, qu'est-ce qu'il est laid, on dirait un œuf. Pingles. Ah mais oui c'est vrai, c'est ça aussi, il est... Oh putain. À un moment dans le dessin animé, je crois, ou dans un jeu, Robotnik, il dit un mot, Pingus, et ça ressemble énormément à pénis, et du coup, ça s'est fait parodier un milliard de fois. Et dialogue, il dit Pingus, et Sonic fait 3 points de suspension. Et là, on repart pour se faire attraper, mais c'est stupide. Pingus, 3 points de suspension. J'en ai fait tomber mon oreillette. Et du coup, voilà, Pingus... D'accord, est-ce que... Non, c'est pas fini. Si, c'est peut-être fini. Ok, il y a la musique de Nyan 4 qui se démarre. Et je dois attraper plein de chats. Vous m'expliquerez le... Ils ont fait un chat avec les yeux noirs avec des points rouges comme si c'était une creepypasta. Whiskas, la nouvelle creepypasta. Merci d'avoir joué. Appuyez sur... Ouais, sur ça.
pour dégager. D'accord, ok, c'est fini, ça se finit sur ça. Ok, bon, je préférais quand même le premier, même si celui-là, il était un peu plus dans le délire what the fuck, genre, on caricature bien le jeu, à quel point c'est stupide et tout. Bref, c'était deux petits jeux parodiant Sonic.exe ou Sonic.exe. Je dis toujours les deux parce que moi, j'ai l'habitude de dire toujours Sonic.exe, et j'ai l'impression que tout le monde dit .exe, donc du coup, je ne sais absolument pas comment ça se prononce, si vous voulez bien me le dire en commentaire de la vidéo pour être sûr que je me trompe pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos, bonne journée, bonne soirée, et à bientôt, ciao !